Bonjour monsieur. Bonjour. Où êtes-vous ? Ça va très bien. Je vous apporte la première équipe. Y a pas de souci. Donc, quelqu'un d'entre vous peut me serrer la main, s'il vous plaît ? Je vais laisser les gars le faire parce que. C'est bon, je vous invite, je vous ai serré la main. Oui, j'avoue, c'est un petit peu cowboy et tout là. Voilà, est-ce que vous pouvez me faire voir vos Pokémon et après vous pouvez aller voir l'agent Jackie. Ah putain, comment tu sors ton Pokémon? Il est en bonne santé. C'est pas ça. Comment tu fais? Ouais, il est en bonne santé. C'est ça? Vous pouvez le récupérer. Au suivant. J'ai fait disparaître mon salamé. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ah non, mais celui-là. Dès qu'on monte sa vie, il prend des dégâts. Professeur, j'ai un petit problème. Bah, Salamèche s'est enfui de ma maison. On va voir avec le professeur Chen, mais il va te confisquer. Hein. Excusez-moi, mais il s'est vu enfui, les dégâts. Comment ça ? J'ai voulu le mettre dans la Pokéball, il s'est enfui. Ah ouais, ouais, non, mais celui-là, il va rester en quarantaine. Hein. Excusez-moi, mais vu les dégâts. Il a disparu, c'est pas disparu ? J'étais là-bas, j'ai voulu le mettre dans la Pokéball, il s'est enfui, je ne le vois plus. Je suis désolé, hein, mais je peux pas vous laisser rentrer avec celui-là. Voilà, maintenant, dans vos petites poches, normalement, vous êtes en bonne santé. Pokéball toute seule. Ah d'accord, c'est juste ça. Putain, je suis trop con. Je viens de comprendre, il n'avait pas disparu, c'était caché. Je peux vous en rendre. Il y a un Riorn. Ouais, supprimer la Pokéball vous-même. Ce sera plus simple. D'accord, je le rendrai... C'est toujours le même. À la nature, si on peut dire ça comme ça. C'est bon, vous pouvez, je me répète tant que jamais. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Dans la petite boîte, il y a des habits pour vous, mademoiselle. On va vous faire électrocuter. Merci. Mettez-moi ça avant tout se rentrer et casque avec. C'est hein. Bien vos masques, messieurs. Professeur, non, il non, faut c'est les prendre un ses peu Pokémon. Comme... confisquer ça, c'est autre chose. Ah, je ne sais pas, c'est pour une arène. Mettez vos masques, mettez tout. Ah, parce que le pont il est à la maison. Vous apprendrez peut-être. C'est bon, je suis protégé. Vas-y, le masque. Blommer le masque. Non, t'as pas le masque. Bah non, là il est caché le masque. Voilà. T'es jaloux là. Mais attention, hein. Ça pique. Hein. Je vais pouvoir les accompagner, les petits chatons. A tout à l'heure, monsieur Jackie. Ouais, suivez-moi. Merci, suivez-moi. Monsieur Jackie. Alors faites attention, merci, ne touchez pas les rochers, tout ça, n'allez pas abîmer vos gants. Hein. Bien rester sans contact avec l'air. Parce que regardez toutes les ondes électriques qu'il y a par là. Ah oui, effectivement, ça en fait beaucoup. C'est impressionnant. Là, nous allons rentrer dans l'arène. Dans l'arène, on se tient bien. On dit bien bonjour au maître d'arène. On se présente. Donc, vous présenterez votre team. Vous présenterez individuellement pour passer l'arène. Hein. Et faites attention à ce que vous dites. Des fois, l'arène, elle est juste derrière cette porte. Une fois qu'on aura franchi cette porte, l'artiste. Nous serons dans l'arène. On peut la saluer, l'arène. Vous pouvez la saluer si vous voulez, mais c'est plus le champion qu'il va falloir saluer. Un petit peu mieux. Donc mes petits chatons, si vous n'avez pas de questions, bah je vous laisse passer devant. Ah. On va y arriver, c'est mieux. Oh là là. La place il paraît. Bonjour mes chers collègues. Bonjour messieurs. Bonsoir. Oula. Bonjour. Il fait peur le monsieur. Bienvenue dans l'arène électrique. Oh la vache, la voix qui prend. Merci, merci. Je vous
présente cette première team. Donc ils vont se présenter directement à vous, hein. Ça a été la première team que j'ai sélectionnée pour venir vous affronter. Ah, c'est ça vos champions. Ne doutez pas de notre force, s'il vous plaît, l'air monsieur. Très impressionnant. Surtout l'air très impressionné. C'est ça. Attends. Provoque un peu. Oh. Hey, lui, il a vraiment une grande gueule. On vous attend. Présentez-vous. Ah, je suis Marie-Charlotte Richet, s'il vous plaît. Je m'appelle Bilbo. Je m'appelle Bilbo de la Faille. Et je suis Brando le Magnifique, et ensemble nous sommes la Team B, et nous allons vous battre. Très bien. Pour ma part, je suis Courju. Courju. Oui. Le Sphinx. Moi, je m'appelle Volt. Enchanté, moi je m'appelle Max Chargeur. Enchanté messieurs, bien. Très bien. Il fait peur. Nous allons tout de suite pouvoir commencer. Choisissez vos Pokémon. J'ai qu'un seul là, mais... En position. Putain mais attends, je sais même pas comment on se bat. Ce sera un combat en combien de Pokémon messieurs les champions d'arène? Deux Pokémon. Deux Pokémon. Et vous leur laissez le droit à combien pour eux? De Pokémon. Pas plus. Pas très gentil celui-là. De Pokémon. D'accord, très bien. Eh bien... De Pokémon. Concertez-vous. Choisissez bien, car vous n'aurez le droit qu'à deux Pokémon. Je vais vous laisser vous battre, messieurs, parce que... C'est un tout petit Pokémon. Deux Pokémon dans l'équipe. Ça n'a rien à voir. C'est récité. Deux Pokémon dans l'équipe. Deux Pokémon de... L'un d'entre vous, peu importe à qui ça appartient. Il est pas soin par contre. Il est pas full soin. Vas-y, on te laisse commencer, Brando. On retire celui-là. Juste avec ça qui compte nous affronter. C'est une blague. Comment dire? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On a oublié. Il est pas chargé. Ah cool, bah alors c'est ça les champions. Il est pas censé. Il est pas tardé. Oh merde. Oh. Pousse. Ah, on reprend. Pousse. C'est ainsi que vous demandez une pause à notre combat. Pousse. On a un petit contre-temps. Vote. Il se passe quoi? D'accord, très bien. Bon, le Pokémon n'est pas chargé. Les Pokémon. Du coup, on a aucun Pokémon chargé là. Je sais pas encore. L'artiste, je suis pas rentré dans le mien. Ah. Professeur, elle est où la reine? Alors c'est comme chelou, ça. Pas les cirques. Oui, non, mais comment ça se fait là? Je viens vous jouer dans une équipe et vous n'êtes pas prêt à les affronter. C'est non, n'importe quoi c'est parce ça. Parce qu'en fait, on a un petit panne d'électricité. Oui. Ah bah ouais, oui, non, mais c'était pas prévu. Non, bah mais c'est voilà, pas grave. Bah oui. Bah on fait comment c'est alors bon. J'ai une idée. Bon, on va leur filer le badge direct en fait. Non, c'est une victoire. Oh là, messieurs. J'ai quelque chose à te proposer. On pourrait faire un cache-cache. Et le Pikachu, pour que t'es qui, tu pars t'en aller. Ouais, cache-cache, t'es pas con, ça. Alors, c'est quoi la solution que vous avez trouvée, là? Parce que moi, j'attends, il y a l'horloge qui tourne, hein. D'accord, je perds de l'argent, moi, pendant qu'on parle. On va faire un cache-cache. Ouais, un cache-cache. Un cache-cache, d'accord, très bien. Ouais, alors, les règles, alors, c'est quoi? Bah, en gros, ils ont une minute pour nous trouver. Non. On a une minute pour se cacher. C'est, bah, c'est bien ça. Et moi, c'est pas fort en 4 minutes pour nous trouver. Et quelle est la délimitation? Quel est le périmètre pour vous trouver, messieurs? Cette île. Uniquement sur l'île. Thank you.
Marie, Marie, Charlotte. Oh. Mais ils arrivent, ils vont en trouver. Ah, Libla, Sif. Ah, c'est bien reçu. On est tombé. C'est trop facile, hein, les cache-cache. Je veux pas gagner un bal sur un cache-cache. Boulou veut gagner sur un vrai duel. D'accord. On va faire un duel. Non, oh non, mon bocodeur il est pété. Oh, je suis dégoûté. Oh, je trouve le seul, vas-y, on recommence. Ça va. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser une énigme. Allez, attends, je réfléchis. Ça va être facile, vous inquiétez pas, messieurs. Ok, c'est bon, j'en ai une. Bon, écoutez bien, je ne la dirai qu'une seule fois. Alors, un homme marche dans la rue. Et là, soudain, il y a une panne d'électricité, toutes les lumières s'éteignent. Il fait tomber ses clés, mais il les ramasse sans aucun problème pour les retrouver. Pourquoi ? Il les a fait tomber sur ses genoux, il est pas rappelé. Bonne réponse, il faisait jour. Bien, vous avez gagné votre badge. Félicitations. Ils sont malins. Mais j'ai quand même trop le seum pour mon vocodeur, je fais comment? Je pensais que ça allait être plus dur. Tu peux me le réparer? Ouais, bah il peut pas. On fera comme si on n'a pas entendu. Ouais, s'il te plaît, tu peux ne pas le dire parce que je vais passer pour une quiche. Ah, c'est vrai que là, quand même, félicitations, elle est assez impressionnante. Ouais, c'est parce que je fais de la muscu. Alors, il faut mettre ça, et crac, là. Et il est où le marteau? C'est bon? T'es en jour, j'ai des papas. Et on s'excite. Ouais, bah ouais, c'est bon. Je peux vous poser une question? Génial, la reine. Qu'est-ce qu'il y a? Le badge, c'est un badge d'équipe ou individuel? Ah, c'est un badge d'équipe, quelle question? Putain, lui il veut faire la ligue Pokémon tout seul, eh. Non, pardon. En ville c'est des badges Pokémon individuels. Et ah non, tu c'est des badges de champion d'arène, ça n'a rien à voir, monsieur. Et tu leur as passé le petit. Le massa présentoir aussi. Tu m'as réparé mon Pokémon? J'avoue, Vifix. Ouais, tiens. Vas-y, essaye. Merci. Ok, c'est bon, ça marche. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Oui. Du coup, félicitations. Ouais, carrément. Du coup, je disais, je vous félicite encore. Et surtout, démerdez-vous pour rentrer. Pardon. La Team B a son premier badge d'arène. Félicitations, monsieur. Vous êtes brave. Il faut qu'on montre à Madame Marie la nouvelle maison. Merci, messieurs.